Salut à tous, c'est Kemitrack, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui une nouvelle vidéo, un super tour de magie que vous allez découvrir dans cette vidéo, vraiment c'est une bombe. J'espère que cette vidéo en tout cas vous plaira, c'est un tour de magie très 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 impressionnant et totalement automatique que vous allez découvrir dans cette vidéo. Donc voilà, c'est un super tour de magie 100% automatique et 100% mathématique. Donc voilà, on passe tout de suite à la démo de ce tour de magie fabuleux et après les explications et c'est parti pour la démo. Allez, c'est parti pour la démo du tour de magie perfect de John Bannon, un grand magicien qui a fait ce tour. Donc, ce tour de magie perfect se fait avec un jeu de cartes, comme vous pouvez l'apercevoir. Un jeu de cartes que des cartes différentes, toutes mélangées, voilà. On peut couper les cartes, le spectateur peut lui-même couper les cartes, voilà. On mélange, on coupe les cartes. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que le spectateur va dire stop quand il le désire. Je fais défiler les cartes et le spectateur me dit stop quand il le désire. Vraiment, c'est quand il le désire, je fais défiler et il me dit stop quand il veut. Donc voilà, on fait défiler. Imaginons qu'il me dit stop ici. Et bien là, on tombe sur le roi de carreau. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la carte suivante et on va compter le chiffre de cette carte. Donc là, c'est 8. Du coup, on compte 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e qu'on va placer juste ici. Donc c'est la 8e carte, vraiment c'est une carte totalement banale, totalement aléatoire. Et regardez bien, juste ici j'avais pris une petite carte prédiction que j'avais mis sous le tapis. Voilà, c'est une carte bleue, une carte différente des autres cartes qui sont toutes rouges. Et bien si on regarde cette carte, c'est l'As de pique. Et si on regarde la carte que le spectateur a choisie, c'est une carte totalement aléatoire. C'est exactement l'As de pique, ça match parfaitement ensemble. On passe tout de suite aux explications de ce tour de magie, vraiment incroyable. Donc pour ce tour de magie, vous aurez besoin d'un jeu de cartes avec que des cartes toutes différentes et mélangées. Un jeu de cartes ordinaire que vous pouvez mélanger, voilà, comme ceci. C'est un jeu de cartes tout à fait normal que vous aurez besoin. Donc c'est un jeu de cartes rouge ou bleu, vraiment n'importe lequel. Et vous allez prendre les 4 As d'un autre jeu de cartes, d'un deuxième jeu de cartes. Donc moi j'en ai pris un bleu, comme ça, ça se différencie vraiment de jeu de cartes rouge. Et ces 4 As vont être en fait les cartes prédiction. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer un As dans chaque poche de votre deal, voilà. C'est vrai, ça peut être vraiment n'importe où, vous pouvez les mettre même dans un portefeuille et tout, mais il faudra vraiment les 4 As et pas seulement l'As de pique comme dans la démo. Il faudra vraiment les 4 As parce que la carte prédiction peut varier d'un spectateur à un autre. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets les 4 As sous le tapis comme vous avez pu le voir dans la démo. Je mets l'As de cœur donc sous le petit signe cœur, comme j'ai un tapis, un très beau tapis avec des petits signes ici. Et bien je mets tout simplement les As sous leur bon signe, comme ça. À la fin, si la carte prédiction doit être l'As de cœur, je sors l'As de cœur parce que je sais qu'il est ici avec le petit symbole cœur. Si c'est l'As de trèfle, je sors celui-ci, enfin bref, voilà. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez mettre un As dans chaque poche et vous retenez bien, l'As de trèfle est dans la poche avant gauche, l'As de pique dans la poche avant droite, enfin bref, voilà, élaborer des stratégies pour pouvoir sortir à chaque fois la bonne carte prédiction. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est qu'en fait, vous allez trier un jeu de cartes de 52 cartes. Donc vous avez un jeu de cartes de 54 cartes où vous allez retirer les deux jokers. Il faut vraiment un jeu de cartes sans joker. Et en fait, néanmoins, ce jeu de cartes sera classé dans un ordre très précis pour que le tour fonctionne. Vous allez voir, ce classement est un peu compliqué au départ. Il prend un petit peu de temps, il faut le faire une première fois. Et par la suite, le jeu de cartes ne se déclassera plus. Quand vous finissez le tour, le jeu de cartes restera classé. L'avantage, c'est que même si le jeu est classé, vous aurez toujours la possibilité de faire couper le jeu à votre spectateur. Voilà, il peut couper autant de fois qu'il le veut. Et d'ailleurs, on peut remarquer que le jeu de cartes a vraiment un aspect bien mélangé quand on a classé les cartes. Donc voilà, prenez votre temps vraiment pour classer votre jeu de cartes. Donc voilà, une fois classé, le jeu de cartes vous servira uniquement pour réaliser ce tour. Donc vous pouvez avoir un jeu de cartes spécial pour ce tour de magie, bien classé pour le tour. Bien sûr, il ne faudra pas le mélanger, sinon il faudra le reclasser une nouvelle fois. Donc on va voir maintenant comment classer le jeu de cartes. Donc vous prenez votre jeu de cartes complet et vous sortez au préalable le carré de dames, le carré de 10, le carré de 8, le carré de 6, le carré de 4, le carré de 2 et le carré d'as. Et les dernières cartes qui vous restent, vous les placez dans un petit paquet à côté et on appellera ces cartes les cartes quelconques. Voilà, ce sont toutes normalement des cartes impaires. Et tous les carrés, ce sont des cartes paires, sauf les As, juste ici. Donc tous les carrés, ce sont des cartes paires, sauf les As. Et les cartes quelconques sont tous des cartes impaires.
À partir de là, chaque carré va être mélangé. Donc vous mélangez chaque carré de cartes pour en fait que aucune suite de cartes dans un carré ne soit répétée une deuxième fois. Je vous m'explique. Imaginons dans le carré de 2, on a carreau, trèfle, cœur, pique, c'est la suite de cartes. Carreau, trèfle, cœur, pique. Il ne faut pas qu'à un deuxième endroit, on ait une suite de cartes qui ressemble à carreau, trèfle, cœur, pique. Il faut vraiment mélanger chaque carré de cartes pour vraiment avoir plein de cartes mélangées entre eux, mais par carré. Donc voyons maintenant le classement. Donc vous partez toujours d'une dame, voilà comme ceci. Et ensuite, vous prenez une carte quelconque. Il va falloir en fait à chaque fois intercaler une carte d'un carré, ensuite une carte quelconque. Donc on commence la dame, ensuite une carte quelconque, ensuite un 10, une carte quelconque, un 8, une carte quelconque, un 6, une carte quelconque, un 4, une carte quelconque, un 2, une carte quelconque, un as, et c'est terminé. Donc vous finissez par l'as sur le dessus et vous avez terminé votre premier paquet. Donc on continue comme d'habitude. Une dame, une carte quelconque, un 10, une carte quelconque, un 8, une carte quelconque, comme ceci. Ensuite un 6, une carte quelconque, un 4, une carte quelconque, un 2, une carte quelconque, et enfin un as sur le dessus. Vous avez votre deuxième paquet de feux. C'est parti pour le troisième, donc une carte quelconque, un 10, une carte quelconque, un 8, une carte quelconque, un 6, une carte quelconque, un 4, une carte quelconque, un 2, une carte quelconque, et un as enfin pour le troisième paquet. On refait donc maintenant avec le dernier, une carte quelconque, un 10, une carte quelconque, oui, un 8, une carte quelconque, un 6, une carte quelconque, un 4, une carte quelconque, un 2, une carte quelconque et un as. Et normalement, vous n'avez plus aucune carte si vous avez bien fait toutes vos petits paquets, comme ceci. Donc à présent, on a 4 petits paquets qui finissent toujours par un as. Donc à ce niveau, vous avez toujours vos 4 petits paquets qui finissent par un as. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va échanger certaines cartes. Donc vous allez voir, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de compliqué. Donc, en fait, chaque carte qui précède un as... Imaginons, on va commencer par l'as de cœur. Chaque carte qui précède un as, donc moi, ici, l'as de cœur, c'est le 3 de carreau qui précède. La carte juste avant l'as, la carte en avant-dernière position, juste ici, juste avant l'as, eh bien, on va la retirer. Ici, c'est le 3 de carreau pour la remplacer par un 7 de la même valeur que l'as. Je m'explique. Imaginons, ici, on a l'as de cœur. Donc, on retire la carte qui est avant, le 3 de carreau, et on remplace le 3 de carreau qui était ici par le 7 de cœur qui est juste ici, comme l'as, c'est un as de cœur. Donc, vraiment, ne vous embêtez pas. Faites comme moi, choisissez le 7, parce que vous pouvez choisir d'autres cartes, mais pour mieux comprendre le tour, vraiment, choisissez le 7. Si vous voulez pas vous compliquer la vie, choisissez le 7. Donc, je vous réexplique. On a l'as de cœur ici. On retire le 3 de carreau, celle qui est juste avant, qu'on remplace par le 7 de cœur. Donc, le 7 de cœur, on le met à présent ici. Mais on remet le 3 de carreau à la place du 7 de cœur. J'espère que vous avez bien compris. Donc, maintenant, l'as de cœur est juste avant l'as de cœur. Eh bien, il y a le 7 de cœur. Et normalement, il faut à chaque fois, juste avant l'as de carreau, on a le 7 de carreau. Juste avant l'as de pique, le 7 de pique, et etc. etc. Donc, là. On va faire ça avec l'as de carreau. On retire le 9 de carreau, la carte juste avant. Ici, le 7 de carreau est là. On retire, on place le 7 de carreau juste ici. Et le 9 de carreau, on le place juste avant pour compléter quand même l'ordre des cartes. Donc, on refait ça maintenant avec l'as de pique. Donc, on retire le valet de pique qu'on remplace par le 7 de pique qui est juste ici. Voilà, hop, et on remet le valet de pique au bon endroit. Et il nous reste maintenant... à faire la même opération avec l'as de trèfle. On recherche le 7 de trèfle qui est juste ici, hop, et on échange les deux. C'était où? C'était là, voilà, hop, nickel. Donc bien sûr, vous pouvez enlever ici, le 7 de trèfle peut être ici, peut être vraiment dans n'importe quel paquet. Et une fois que vous avez fait cette opération, que normalement avant l'as de pique on a un 7 de pique, avant l'as de carreau on a un as de carreau, avant l'as de cœur on a un 7 de cœur, et avant l'as de trèfle on a un 7 de trèfle, et bien vous êtes prêts pour faire le tour. Donc là, les 4 paquets sont prêts, on peut les empiler dans le sens qu'on veut, voilà, il n'y a aucun souci là-dessus.
Voilà, et votre jeu de cartes est enfin classé. Félicitations, vous avez fini le classement. Donc, vous l'avez vu, c'est un petit peu long, c'est un petit peu complexe en étant tout à la fois simple. Mais si vous prenez bien votre temps, que vous respectez bien, que vous suivez bien les instructions, normalement tout ira nickel et votre jeu de cartes sera parfaitement classé pour réaliser la routine. Là, vous vous dites sûrement, bon, j'ai un jeu classé, mais à quoi il me sert? Comment on va l'utiliser? À quoi sert ce jeu classé? Patientez, patientez, ça va venir. Regardez bien la vidéo jusqu'au bout. En gros, avec ce jeu de cartes bien classé, vous allez avoir la possibilité à chaque fois de forcer un as. À chaque fois, peu importe le choix du spectateur, vous forcerez un as. Donc je m'explique, donc grâce à la préparation et grâce du coup à nos cartes indicatrices, qui sont bien sûr les 7, et bien en fait cette carte indicatrice va nous permettre de connaître la valeur de l'as qui est juste après. Donc ici on a le 7 de pique, et bien juste après on a l'as de pique. Et du coup quand on verra un 7 carreau trèfle cœur, et bien on saura l'as qui viendra, qui sera sorti après, car par exemple c'est un 7 de pique, et bien on saura que l'as, ce sera l'as de pique qui sortira après, qui sera la carte prédiction. Donc c'est parti pour les explications de la routine de cartes. Donc vous commencez, vous demandez au spectateur de couper le jeu de cartes plusieurs fois, ça n'a aucune importance. Comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo, vous pouvez couper n'importe quel nombre de fois. Voilà, le jeu de cartes restera toujours classé de la même façon qu'au départ. Donc on peut couper autant de fois qu'on le désire. À partir du moment où il coupe et il complète la coupe, le jeu de cartes reste classé. Donc là, vous prenez le jeu en position de la donne et vous faites défiler comme ceci les cartes. Et il va devoir s'arrêter vraiment n'importe où. Vous insistez sur ce point, il s'arrête vraiment où il le veut, où il le désire. Voilà, vous faites défiler les cartes, compter les cartes comme ceci. Il s'arrête vraiment n'importe où. Et à partir de là, il va y avoir 3 cas de figure. Donc premier cas, si jamais le spectateur s'arrête sur une carte quelconque, c'est-à-dire une carte qui est impair. Donc ici un 9 de cœur. Donc ici la carte est impair, on sait donc que c'était une carte quelconque. Eh bien... vous faites les opérations, donc vous retenez bien, quand il tombe sur une carte quelconque, une carte impair, et bien vous récupérez la prochaine carte que vous retournez. Le but étant de toujours tomber sur une carte pair. Donc là, vous êtes sur un 6, et du coup, vous comptez 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, et la 6e, et bien ce sera donc l'as. Donc vous posez ici. Donc voilà, la carte sur laquelle il a dit le chiffre, donc là, on était rendu... on était rendu à 9, donc on est rendu à 6, donc on fait 1, 2, 3, 4, 5, et vraiment c'est la 6e qu'on place comme ceci, face en bas, juste ici. Et donc là, on sait que cette carte-ci, c'est un as de carreau, comme le 7 ici, c'est un 7 de carreau. Du coup, ensuite, on n'a plus qu'à sortir l'as de carreau qui est donc ici, avec le petit symbole carreau, et le spectateur est bien impressionné par la suite. Donc ensuite, comment on fait par la suite pour replacer, pour remettre le jeu de cartes dans l'ordre bien classé? Eh bien, vous avez fini votre tour, le spectateur est impressionné. On a la carte prédiction qui est bleue, donc. Eh bien, vous prenez la carte prédiction que vous replacez au bon endroit, bien sûr, à la bonne place. Et ensuite, vous replacez l'as de carreau rouge qui provient du jeu de cartes au même endroit où vous avez pioché. Donc juste après le 7 de carreau, vous piochez face en bas. Vous retournez cette partie-là que vous posez. Et vous êtes prêt directement à recommencer le tour de magie. Le jeu de cartes est maintenant prêt. Il est dans le même ordre qu'au départ. Tout est bien classé. Donc là, je vous ai expliqué le premier cas qui est le cas où le spectateur tombe sur une carte impair. Mais on va le refaire avec le spectateur qui tombe sur une carte pair. Donc voilà, il s'arrête vraiment quand il veut. Et imaginons qu'il s'arrête, allez, ici. Voilà, il tombe donc sur une carte paire. Ici, c'est le 10 de carreau. Et donc, comme c'est une carte paire, cette fois-ci, on ne fait pas prendre la carte suivante qu'on retourne et ensuite on compte le nombre de fois qu'on est tombé sur la carte, car c'est directement une carte paire. Alors que quand c'était une carte impaire, eh bien, on devait retourner pour tomber sur une carte paire. Si jamais vous tombez sur une carte paire, vous ne faites pas tirer la prochaine carte comme ceci, vous prenez directement le chiffre et vous comptez 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Et la dixième, juste ici, comme tout à l'heure, c'est l'as de carreau qui correspond. Donc, comme on sait qu'ici c'est un 7 de carreau, et bien on sait ici du coup que c'est un as de carreau. Donc on replace l'as de carreau, on retourne et on replace ça comme ceci. Donc le dernier cas de figure, c'est où le spectateur tombe sur un as. Donc vous inquiétez pas, regardez bien. Imaginons le spectateur tombe vraiment sur un as. Donc
Imaginons il dit stop, allez, un as. Imaginons il dit stop ici, l'as de pique. Et bien là, vous ne paniquez pas, surtout pas, sinon ça va se voir un petit peu. Et bien en fait, vous regardez l'as de pique et vous estimez si c'est une carte paire ou une carte impaire. Et de toute façon, tous les as sont des cartes impaires. Oui, c'est ça, des cartes impaires. Du coup, ce que vous faites, c'est que vous prenez la carte suivante, que vous retournez comme ceci, comme avec une carte impaire. Comme dans le cas où on avait fait, où je vous avais expliqué avec une carte impair. Donc là, ici, c'est une carte impair. Du coup, on fait l'opération, on retourne la prochaine carte. Ici, c'est une dame. Du coup, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et la 12e, on la pose ici. Et c'est donc l'as de carreau. Comme ici, c'est un 7 de carreau, on le sait déjà. C'est donc l'as de carreau. Donc on replace ça ici, comme ceci. Et ensuite, on est prêt à commencer. À recommencer le tour de magie. Donc on revoit rapidement les cas de figure. Donc imaginons on tombe sur une carte impair. On prend la prochaine qu'on retourne. Ici un 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6ème. Ici hop, l'as de carreau, comme c'est un 7 de carreau, on repose. Hop, on sort la prédiction. Enfin bref, le spectateur est impressionné. Si jamais on tombe sur une carte qui est, imaginons, pair 6, et bien vous comptez directement 6 cartes. Vous ne prenez pas la première que vous retournez. Vous comptez directement 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous retournez ici, 6, pardon, la 6ème, c'est celle-ci. Hop, vous retournez ici, c'est l'as de carreau. Vous sortez l'as de carreau, la prédiction. Enfin bref, voilà. Vous placez l'as de carreau ici et vous retournez. Ensuite, dernier cas de figure, imaginons on tombe sur un as. Voilà, aucun souci, ne paniquez surtout pas. On tombe, imaginons, sur un as. Voilà, ici, hop, ici c'est une carte impair. Du coup, on retourne la prochaine, ici une dame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La 12e, on la pose ici. On retourne, c'est l'as de trèfle, comme ici, c'est le 7 de trèfle. Du coup, on sortait au préalable, du coup, l'as de trèfle. Et le spectateur est impressionné de voir la bonne carte prédiction. Et on replace ça ici, on recouvre et on égalise le tout et vous êtes prêt à refaire le tour. Donc vous voyez, ça marche vraiment tout seul, hein. Le jeu classé, c'est vraiment exceptionnel. Donc voilà, l'avantage c'est qu'on peut faire couper le jeu vraiment avec ce classement. On est prêt à faire le tour, c'est un peu long au début, mais une fois qu'on a bien compris comment faire, et bien ça marche tout seul, hein. Hop, on peut couper le jeu et ça c'est un gros avantage de couper le jeu, car ça donne l'impression au spectateur que le jeu de cartes est mélangé, mais vous pouvez ne pas vous arrêter là, bien sûr, vous pouvez également faire des fausses coupes. Voilà, j'ai déjà expliqué sur ma chaîne comment faire des fausses coupes, donc n'hésitez pas à voir mes autres vidéos pour apprendre comment faire des fausses coupes. Donc voilà, hein, le jeu n'est pas truqué, il n'y a pas de carte truquée et pourtant le spectateur est vraiment impressionné, il voudra tout examiner. Vous pourrez, si vous voulez, lui donner à examiner, mais moi je vous le conseille pas parce qu'après le jeu sera déclassé s'il mélange les cartes. Donc voilà, vidéo un petit peu longue, c'était vraiment pour bien vous expliquer en détail, j'espère que vous avez bien compris. Si vous avez quelques petits soucis, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que je vous réponde et que je règle normalement votre problème. Donc voilà, ne vous pressez pas, vraiment revisionnez la vidéo plusieurs fois lors de la préparation si vous n'avez pas très bien compris. N'oubliez pas également, vous pouvez couper le jeu, hein, toujours une coupe à la fois, et bien faire la coupe et recompléter par la suite. Donc voilà, c'était le tour de magie, je suis sûre que vous allez adorer le refaire. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner, activer la cloche des notifications, mais également me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'espère que ça va vous plaire, car c'est vraiment un tour de magie incroyable. Moi, c'est un de mes tours de magie vraiment préférés, hein. C'est un super tour de magie. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas, une vidéo le mercredi et dimanche à 16h. Et exceptionnellement, pendant les vacances, une vidéo du lundi au vendredi à 16h. C'était Camille Trax. Allez, salut !